avec les tracteurs qui sont en train de passer devant moi. Mesdames et messieurs, la fête du plateau de l'espoir débute. Elle débute sous un temps couvert, mais on vous annonce quand même une météo. Allez, on va être sympa pour cette journée. On se donne rendez-vous au rond-point à 11h. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'aune pour cette manifestation, le battoir de l'espoir, en faveur, bien sûr, de la lutte contre le cancer du sein, qui touche plusieurs centaines de milliers de femmes et qui commence également à toucher les hommes. Et c'est parti! Et regardez, c'est une jeune personne qui met le... C'est tout à l'heure, c'est tout à l'heure. Pourquoi ce corset aujourd'hui? Ben parce qu'on m'a demandé de... Je suis un fada de Fernandelle. J'ai l'équipement pour faire la vache de prisonnier. Donc je me suis dit, tiens, allez hop, on va s'amuser un petit peu. Et puis c'est les gens, voilà quoi, on essaye de faire quelque chose. Du terroir et le métier d'agriculteur, nous avons organisé la plus grosse fête du battoir à l'ancienne à Monto, au terme de laquelle nous avons reversé 100 000 francs, soit 15 000 euros,
au centre d'handicapé de Cernon. Mais moi, j'étais associé avec les paysans, ils étaient associés avec le Bursche. Aujourd'hui, je suis une nouvelle fois de lancer cette aide au profit de l'association Gros d'Espoir et de la recherche contre le cancer du sein. Mais rien n'aurait été possible sans votre aide et sans votre présence. Alors je vous demande du fond du cœur et je vous souhaite de passer un très agréable de bon moment. Bonne journée à tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été élue ambassadrice Bourgogne le 6 mai dernier et je représenterai notre belle région à l'élection ambassadrice France qui aura lieu en Bourgogne cette année. Aussi, Lulu et notre confrérie, tenions aujourd'hui à te témoigner notre reconnaissance et notre amitié. C'est pourquoi nous avons le plaisir de t'accueillir à la confrérie du comité agricole. C'est pas Louis. Je te remets la médaille de la confrérie du comité agricole. Voilà. Après 17 ans, on n'a pas pu se voir ensemble. Ouais. Toi, t'as crié la dernière, moi, il y a 17 ans que je suis pas venu. De l'effet. Allez. Voilà. Applaudissements, mesdames et messieurs, c'est un moment émouvant. Alors, c'est un honneur d'avoir cette médaille. Tout à fait. Je suis très heureux d'avoir la médaille. Très heureux. Faut jamais. On ne peut pas oublier les gens de la terre. Hein. Si on en a plus, on est foutu. Hein. Ils sont là pour nous aider. Alors, Lucien, ça se passe bien? Moi, pour moi, c'est un grand honneur de pouvoir y remettre. Parce que j'avais une dette entre, avec les mariniers, les avalonneurs. Et ce qui m'a plus malheureusement mis par terre, c'est qu'avec mon ami Joël Blancard, on devait associer la terre et l'eau. Voilà. Nous aurons également le David Potopay, nous aurons un tir à la corde, nous aurons des démonstrations de boxe, encore du battoir vers 15h30. Même 16h30, 17h30, on terminera le battoir, c'est sûr. Donc tous les coups sont codifiés, sont armés. Là on évolue en basket par rapport à la circonstance, donc on est dans l'herbe. Mais donc là tout ce que vous allez voir c'est la pratique au niveau de l'assaut. C'est-à-dire c'est de la touche, c'est du contrôle. Donc il y a une compétition, des compétitions qui existent, soit au niveau de la Ligue, soit au niveau des France, que ce soit aussi bien pour les jeunes que pour les adultes. Donc on utilise toute la surface de la chaussure pour que ce soit la pointe des pieds, le talon, le dessus, côté interne, côté externe, et les semelles. 3, 2, 1, c'est parti! Let's go.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette fête? Super! C'est magnifique, tout est bien réussi. Très, très bien. Ah oui. Lulu, c'est le champion. Organisé. Je sais. C'est le champion. Il faut que ça dure jusqu'à ce soir avec le beau temps et tout sera réussi.